Bien le bonjour, monsieur la denrée. Bonjour, mon Fifi. Comment vas-tu? Ça va aujourd'hui. On est samedi, je ne sais plus quelle date. Le 2. Le 2 de quoi? Le 2 juillet. Ouais, de quelle année? 2022. Ah, la bonne heure, tu peux jouer au loto. Hein. Il est 8h20. 8h20 et on part faire une rando, donc on va où? On part faire une rando sur les Dames de Meuse. Les Dames de Meuse, parce que tu connais, mais de l'autre côté, toi, en passant par les fours. Ouais, en passant par les fours, et je suis pas tombé sur le site des Dames de Meuse, mais à côté des Dames de Meuse. Oui, tu es toujours à côté, toi. Ouais, je suis toujours à côté de mes pompes. Oui, à côté de la plaque. Ouais, j'ai une histoire à te raconter. Là. Ah, vas-y. Ils t'écoutent, les internautes, ils adorent. La dernière fois, là, je t'ai parlé de mon service militaire. Ouais, tu l'avais pas fait. Que j'avais pas fait, mais j'ai fait quand même les 3 jours. Trois jours, une journée et demie, oui. Une journée et demie, c'est ça. Voilà, ouais. Et Deutsche Vache. La vache. Ouais. Deutsche Vache. Ouais, une vache allemande, quoi. Ouais, c'est une vache allemande. Tu l'as vu, le. Fernandel. Oui, la alors. La vache et le prisonnier. Oui. J'ai fait la même chose. Deutsche. En ce temps-là, j'étais de la région parisienne. Ouais. Et après avoir raté la première fois de la convocation au service. Je me suis dit au deuxième, il faut que j'y aille parce qu'ils vont me courser après. Ah bah le déserteur, hein. Déserteur. Ah oui. Donc, à chaque fois, il recule de ce qu'on veut. J'y suis allé cette fois-ci. Donc, mon truc, mes 3 jours de militaire, c'était sur Blois. Oui. Donc, je prends mon train à Paris. Je m'en vais sur Blois. À un moment donné, il y a un arrêt de train. Une heure. Le train, il s'est arrêté pendant une heure. Ouais. Et je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Je dis, redémarre pas le train. Et en fait, bah, au lieu d'arriver à la caserne de Blois au matin, j'y suis arrivé à 14h de l'après-midi. À cause de quoi? Parce que le train, il s'est coupé. Il s'est coupé en deux. Ils ont changé les wagons. Le contrôleur, il me dit comme ça... « Ah, vous allez faire votre service militaire ?» Et je dis oui. Elle me dit « Pour Blois, c'est en tête de wagon. » Oui. Et en tête de gondole. J'ai pas voulu l'écouter parce que j'étais avec un black à l'arrière. Oui. Et je dis « Pourquoi il lui a pas dit à lui ?» J'ai compris plus tard que le contrôleur, bah, il aimait pas les blacks. Ah, hein. Et je suis resté avec mon blague. Mais il t'aimait pas non plus. Si, parce que moi, il m'a dit, il faut aller à l'avant. Et toi, tu l'as pas écouté. Moi, je l'ai pas écouté parce que j'ai dit, pourquoi le blague, il est... Comme quand je te dis, tu passes pas par ses chevals pour venir ici. Alors. Tu m'écoutes pas. On est arrivé ensemble à la caserne, tous les deux, à 14h de l'après-midi. C'est quoi, 14h, c'est l'après-midi, en principe. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? Alors, je donne mon nom. Ah, c'est vous, les... Et puis, j'ai fait mes 1h30 là-bas. Et lui, il a pris 12 mois, parce qu'il n'a pas arrivé à se faire réformer. Et moi, j'ai fait une journée. Oui, mais t'es plus malin, toi. Moi, je suis plus malin. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, t'es rattrapé. Par ton passé. Je suis rattrapé parce que je tombe sur un légionnaire. 32 ans après, tu m'en fais voir. À bientôt, les internautes. Bonjour, mon poulet. Parce que je t'ai pas dit bonjour. Et puis tous les autres que je vous verrai jamais, mais bon... On peut se dire bonjour quand même. Alors, qu'est-ce qu'on dit en allemand pour dire au revoir? Auf Wiedersehen. Oui, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Non, sinon, t'as un raccourci. Tschüss. Ouais. Tschüss, ça veut dire salut. Salut. Tschüss. Tschüss. Voilà. Et moi, je dis en breton, Kenavo. GoPro allumé. Bon, excusez-moi si vous entendez sur ma vidéo un mec qui gueule. En fait, il est en face. Parce que comme il ne sait pas m'attendre, il a déjà sauté comme une gazelle au-dessus du ruisseau, ce qu'on l'a, et il m'a laissé sur l'autre rive. En plan. En plan, voilà, moi je suis là. Et l'autre est déjà là-bas, tu vois mes godasses, moi. Je fais une vidéo. Et puis il continue à parler, je m'en fous que moi j'ai mis ma caméra en route. Rien à foutre. Alors mon gros, t'as bien marché? Ouais, impeccable. Bon, gros Hardy. Ça descend tout seul. T'as vu, j'ai chanté dans la chanson, c'est toi Hardy et moi Lorraine. Oui, ouais. C'est toi le gros et moi le petit, et puis c'est tout. Ouais, je peux être que le gros. D'accord. Bon, bah avant j'étais comme toi, hein. Maintenant je peux me moquer, mais avant j'étais comme toi. Hein. Regardez les internautes. Vous avez vu, ça descend.
Ça descend de la montagne, et puis ici au bout, là, il faut leur expliquer qu'au bout, après, il n'y a plus rien. Donc elle tombe directement de la roche en bas dans la Meuse. Voilà, il y a un pic comme ça. Ouais. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais venir, puis on ne vous dira jamais où c'est. Ouais, parce que même moi, je suis là, mais je ne saurais pas où. Il faut prendre le balisage 51 de la Belgique. Là, normalement, si vous suivez le 51, vous arrivez au 43 et vous prenez le 17. Vous prenez le 17. Ouais. Ça vous amène ici. Alors, mon Jean-Noël a décidé de lancer sa canne à pêche d'en haut, ici, dans la Meuse. Voir s'il y a du brochet, il m'a dit, c'est ça? Voilà. Donc, il faut encore qu'il monte le fil, l'hameçon, et puis il mette l'asticot, mais il y est presque. Hein. Regardez, c'était putain une grande canne à pêche. Bon, devinez où on mange. Eh ben, on mange en haut. Où on est arrivé ce matin avant d'aller faire la seconde marche. On est revenu là parce que les dames de Meuse, on aime bien. On a notre table. Ouais. Chacun a son banc, comme ça on se disputera pas. Hein? Ouais. Et puis alors, vas-y, alors dis-moi ce que tu as amené à manger aujourd'hui, Jean-Noël. Ben aujourd'hui, je suis venu léger. Ah oui, alors léger. Parce que... Qu'est-ce que ça s'appelle léger? Alors, c'est la petite boîte. Du pâté neuf. Ouais. Alors, il y a marqué quoi dessus? Tomate. Tomate? Tomate. Il y a des tomates. Donc. Ah bon? Non, il n'y a pas de tomate. Tu es malade. C'est quoi? J'ai pas de tomate. Ah, mais non, c'est oignon lardon. Ah, oignon lardon. Ça doit être marqué dessus. J'ai pas de lunettes, moi. Oui, non, mais même moi sans lunettes, je le vois. Oignon lardon. Ouais, ben moi, je vois pas. Bon, ben. Oignon lardon. Oui. À toute façon, hein, il l'a dit, hein, le Glaude. Hein? Au Bombay. Le diabète, ça se met dans les yeux. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, t'as ça, et puis on a un sauciflard, il a du pulco. Moi, j'ai un vrai citron, il a du pulco. Ouais, il a voulu m'offrir. Il a voulu m'offrir son produit chimique. Ouais. Que j'aurais chié noir pendant 3 jours avec ça. Moi, j'ai amené un vrai citron. Ouais. Pulco citronol. Voilà. Mmh. On va dire quoi? Ah, bon appétit à tout le monde. Oui, mais y a qui comme monde ici? Ben, bon appétit mon Fifi. Et bon appétit mon Jean-Noël. Voilà. Voilà. Mmh. Allez. Bon week-end tout le monde. Bon la denrée. Oui. La pêche est bonne ou quoi là? Ouais, je suis à 30 de... Putain, t'as une putain de ligne, toi tu vas jusqu'à la Meuse qui est à côté de toi là. Ouais, je suis à 30 d'attraper du saumon. Ben oui. Et tu crois que tu vas sortir quoi là? Le saumon qui remonte du barrage. Ah ben il est courageux le saumon. Hein. Ouais. Ben Dieu toi. Alors tu vois, mon Lolo, mon Laurent, Schneider, mon Breton, là, tu vois qu'il n'y a pas que moi qui fais le con, hein. Le gros, il est au bord aussi, lui, hein. Ah, je suis assis, quand même. Il est assis, moi je suis debout, mais lui, il est assis.